Lydia, c'est une pâtisserie holistique qui prend aussi bien en compte l'aspect environnemental que l'aspect santé-bien-être. Donc pour l'aspect environnemental, c'est déjà une pâtisserie certifiée bio. Je travaille en direct avec des producteurs de notre région et je fabrique et transforme tout moi-même. Donc transformer, c'est-à-dire que je travaille uniquement avec des matières brutes, des amandes brutes, du beurre de cacao. Et donc avec tout ça, je fabrique mes ingrédients. Je fabrique mes boissons végétales, les végétaux, amandes, noix, noisettes, mes poudres aussi d'oléagineux, poudres d'amandes, mon chocolat, mes purées. Et donc l'idée en fait à travers ça, c'est de travailler avec des matières nobles qui n'ont pas été pasteurisées, qui n'ont pas été cuites et surcuites, conservées. Voilà, donc on est vraiment sur une matière brute, locale et nutritionnellement intéressante. Puisque là, c'est le deuxième volet, le volet santé. Donc je travaille avec, je suis accompagnée de nutritionnistes naturopathes et micronutritionnistes qui donc accompagnent ce projet et donc qui me permet de revendiquer un aspect santé à ces pâtisseries. Le fil rouge, c'est l'indice glycémique. L'idée, c'est de ne pas avoir d'hyperglycémie, de ne pas avoir de montée de sucre lorsqu'on mange une pâtisserie Clésia. Donc ça convient bien sûr aux personnes diabétiques, mais pas seulement. C'est vraiment l'idée, c'est le plaisir de tout, c'est manger sainement, ni plus ni moins. Au départ, la volonté, c'était vraiment de promouvoir notre culture locale, de faire découvrir aux gens des matières qu'on a oubliées. Alors en plus en pâtisserie, sortie de la farine de blé raffinée moderne, du sucre blanc, des œufs, du lait, voilà. Et en fait, on est une région mais riche, et c'est ça que je voulais promouvoir. Donc je travaille aussi avec plusieurs types de farine, lupin, pois chiche, poudre d'amande. On varie les sources nutritionnelles et puis on ingère plusieurs choses au lieu juste de se cibler sur cette farine blanche. Et en cherchant en fait des sucres locaux, alors à part la betterave, il n'y a pas grand-chose, je suis arrivée justement dans le monde de l'alimentation bien-être. Et donc un monde s'est ouvert à moi. Et moi qui pensais bien manger, je suis un petit peu tombée des nues quand j'ai découvert cet univers. Et je me suis dit, mais il y a eu un côté vraiment militantisme à me dire, je veux vraiment le partager, je veux informer les gens. Alors la complexité de cette pâtisserie, du coup son originalité, puisque à ce jour je ne connais pas d'autres pâtisseries, en tout cas en France, qui soient basées sur ce concept, c'est comme je le dis, c'est une pâtisserie holistique, on prend vraiment tout en compte. On n'est pas que vegan, on n'est pas que circuit court, on n'est pas que sans gluten. On a vraiment, l'idée justement c'est vraiment de faire réfléchir les gens en faisant au mieux. C'est pas une pâtisserie sans, c'est, on va manger du blé, mais on va choisir du bon blé. On va éventuellement utiliser des produits laitiers, mais plutôt sous forme crue. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler tout ça. La ruche, c'est manger mieux et manger juste. C'est manger en circuit court, c'est valoriser son patrimoine régional. Donc là, on a vraiment des valeurs communes. Moi, il y a deux choses qui sont importantes pour moi dans la ruche. C'est un, la proximité avec le client, puisque c'est vrai que c'est une pâtisserie qui va s'expliquer. Bien sûr, on peut manger cette pâtisserie en disant « c'est bon », mais effectivement, elle a plein de petites choses qui vont nous surprendre, des textures, donc c'est important d'en parler. Pourquoi la DLC est courte, pourquoi certains produits ne résistent pas à la congélation, expliquer le travail qui est fait derrière, en amont. Voilà, c'est cette relation-là, moi, qui m'importe en travaillant avec la ruche. Et ensuite, c'est la production sur demande. Je n'ai pas de perte. Je produis vraiment en fonction, si la personne veut 3 cakes, je vais produire 3 cakes et pas 5. Quand on a un magasin, malheureusement, on a des risques de perte. Ce qui fait aussi que je produis du frais, il n'y a pas de produits congelés. Donc tout ça, c'est important pour moi.